je vous présente ma recèche, ma recette, ma recèche, voilà, de la sèche. Alors, je vais garder le manteau et les tentacules, comme vous voyez là. Pour la recette de la sauce, en fait, deux gousses d'ail que je vais émincer avec du persil. Je vais rajouter, je suis déjà en train de chauffer la poêle, du gros sel et du poivre. Là, je balance tous les manteaux, les tentacules dans la poêle. Je mets, bien sûr, il y a de l'huile d'olive. Je vais laisser ça macérer pendant 1 heure ou 2 un petit peu avant avec un petit filet de jus de citron. Je mets tout dans la poêle et puis voilà. Ça a une odeur qui est extraordinaire. Waouh, ça, ça va être bon, je vous le dis, moi. L'odeur, on dirait un beurre d'escargot. Bientôt présent. Magnifique, Clabby Jojo. Je vais me régaler. T'en veux un petit peu? Non. Qu'est-ce que tu manges, toi? Un steak. Eh ben moi, je vais manger le produit de la mer. De Johnny. 1 000 milliards, 1 000 saveurs! Je vais me régaler! Location, une large sélection de véhicules pour tous les besoins et budgets. Carrefour, bien plus que les courses. Retrouvez la météo avec Nesten. Groupe d'agences immobilières pour acheter, vendre, louer et gérer vos biens partout en France. C'est plus tendre que le calamar encore. Et le riz? Avec l'huile d'olive. Ah, je tape le cul par terre. Manque plus qu'un bon coup de rouge. De jus de raisin. Allez. On s'embête pas. Allez. Il faudra que je retourne pêcher, franchement. Avec mon beau bateau. Oh, mon bateau. Salut les amis. On a l'air tout seul.